La courbure du rivage à cet endroit se fait petite anse. Par mer calme, accueillante, elle permet la baignade et quelques acrobaties aquatiques. C'est cool. Puis l'eau est bien claire et magnifique. C'est ça, on voit le fond, c'est turquoise, c'est beau. C'est paradisiaque. Le bassin La Caverne se situe à la pointe au sel, derrière le musée du sel, et possède pourtant une eau à la salinité légère. Le sous est ça, soit la cour, il le tape. Le saumon est retiré, c'est bien, à la base, c'est même pas sous. Pourquoi on passe sous le roche. Après, on passe sous le roche. Il y a une moitié une arbre douce, il y a une moitié une arbre salée. L'eau est aussi plus fraîche dans la zone de résurgence, mais pas de quoi effrayer les petits poissons. Ah, ça surprend, mais bon, je pense que voilà. Ouais, ils ont faim là, finalement. Il est là, il est caché dessus. Ils ont besoin de croquer. Encore de la poulet à bonne grosse là. Il monte pas, il bec. En dehors de l'eau, dans la caverne, le volaille bec pue. Il y a tant de plutôt massalé, quand le cadre devient exhausteur de goût. L'endroit, il est magique, petite caverne, soleil, pour apprécier de l'eau épouée. L'eau est agréable, mais elle peut surprendre. Les rochers au-dessus du bassin sont submergés en cas de houle, et la caverne devient alors plus un piège qu'un refuge.